Oh, thank you. Thank you, Monsieur Sherlock Holmes. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les Enquêtes de Sherlock Holmes, réalisée par Abbé Risker d'après l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Aujourd'hui, la maison vide. Ici Maurice Renaud. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Nous vous devons aujourd'hui des excuses pour vous avoir procuré la semaine dernière une certaine émotion en vous contant la mort de Sherlock Holmes, disparu tragiquement en Suisse aux chutes de Reichenbach, au cours d'une lutte implacable avec son plus grand ennemi, le professeur Moriarty. Vous qui avez pleuré temporairement la mort de votre héros préféré, dites-vous bien qu'en agissant ainsi, nous n'avons fait que suivre l'exemple de son créateur. Avec la seule différence toutefois qu'au lieu de laisser une semaine seulement les amis de Sherlock Holmes dans l'affliction, Conan Doyle, lorsqu'il fit disparaître Sherlock, n'hésita pas à laisser s'écouler un délai bien plus long avant de reprendre la narration de ses exploits. C'est en effet en décembre 1893 que le magazine anglais Strand publia « Le dernier problème » ou « La mort de Sherlock Holmes » que nous vous avons conté la semaine dernière. Et ce n'est qu'en octobre 1903 que la même revue présenta « La maison vide » que vous allez entendre ce soir. Vous voyez, mes chers amis, que vous avez été plus gâtés que le public de l'époque qui dut attendre presque 10 années avant de retrouver Sherlock Holmes. Bonsoir, mes chers amis. C'est le docteur Watson qui vous parle. L'histoire que je vais vous raconter a commencé le 30 mars 1894, c'est-à-dire 3 ans après la mort de Sherlock Holmes. Bien que je fusse parfaitement heureux dans mon ménage, la disparition de mon meilleur ami m'avait laissé un grand vide. Et je ne manquais jamais l'occasion de me retrouver avec ceux qui l'avaient connu. Ce soir-là, j'avais invité à dîner l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard. Sans vouloir le laisser paraître, il gardait une profonde admiration pour celui qui avait été le plus grand détective d'Europe. Et toute la soirée, nous avions évoqué les problèmes quasi insolubles qu'il avait fini par résoudre. Il pouvait être minuit et mon invité allait prendre congé quand on sonna. Ah, on doit venir vous chercher pour un malade, docteur. Oui. Vous vous dérangez souvent la nuit? Ah, on m'a laissé tranquille toute cette semaine. C'était trop beau. Docteur Watson? Oui. L'inspecteur Lestrade est-il ici? Oui, Lestrade, c'est pour vous. Qu'y a-t-il? Ah, c'est vous, Brown. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir, inspecteur. Bonsoir. Un assassinat vient d'avoir lieu au 427 de Park Lane. Le patron demande que vous y alliez tout de suite. J'ai une voiture en bas. Ah, mais j'ai sommeil, moi. La victime est morte? Tout ce qu'il y a de plus morte. Alors un cadavre, ça peut bien attendre jusqu'à demain matin, non? Il s'agit d'une haute personnalité. Ah. Allons-y. Docteur, je vous remercie de cette excellente soirée. C'est moi qui vous remercie. Elle m'a fait tant de bien. Ah, où est l'heureux temps où j'accompagnais mon pauvre Sherlock Holmes dans ses enquêtes? Ça vous amusait? Dites que ça me passionnait. Maintenant, ma vie est devenue d'une banalité. Voulez-vous venir avec moi cette nuit? J'ignore quelle affaire nous allons trouver, en tout cas, ça vous rajeunira. Non, sérieusement, vous voulez bien de moi? Avec plaisir, je vous emmène. Je pars avec les deux inspecteurs au 427 de Park Lane, et nous trouvons un hôtel particulier où nous sommes reçus par un gentleman aux cheveux gris. Bonsoir, monsieur. Inspecteur Lestrade. À qui ai-je l'honneur? Sir John Harvey. Cet hôtel appartient à mon beau-frère, le comte de Maynooth, actuellement gouverneur en Australie. Nous avons été avisés qu'il y avait eu un drame ici. Oui, oui, c'est moi qui ai envoyé un domestique prévenir la police. Que s'est-il passé? Voilà, la comtesse de Maynooth, c'est ma sœur. Mm-hmm. Elle est venue passer quelques mois à Londres pour voir son fils Ronald, qui habituellement vit seul dans cette maison. Ce soir, j'ai emmené la comtesse au théâtre, puis je l'ai reconduite jusqu'ici. Et voyant de la lumière dans la chambre de son fils, elle a voulu lui dire bonsoir. Nous avons frappé, pas de réponse. Nous insistons, silence. Je tourne le bouton de la porte, elle est fermée à clé de l'intérieur. Je m'inquiète, ma sœur s'affole, elle me supplie de forcer la serrure. 3 coups d'épaule et nous voilà dans la chambre. Où nous trouvons, gisant sur le tapis, le cadavre de mon neveu. Il avait reçu une balle dans la tête. Ah. Il y a plusieurs portes dans la chambre? Non, non, une seule. Celle par laquelle nous sommes entrés. Et elle était fermée de l'intérieur? Oui. Par où l'assassin a-t-il pu s'échapper? Par la fenêtre? J'y ai tout de suite pensé, parce qu'elle était entrouverte. Mais la chambre est au 2e étage, à 10 mètres au-dessus d'un parterre de réséda,
Et vous pourrez constater, comme je viens de le faire, que ces fleurs sont intactes. Puis, s'il avait sauté de 10 mètres de haut, l'assassin se serait certainement blessé et gravement. Il a filé par la cheminée. Ah non. La femme de chambre avait allumé le feu et c'est elle qui a entrouvert la fenêtre parce qu'il y avait un peu de fumée. S'il n'y a aucune trace d'assassin, il faut alors envisager l'hypothèse d'un suicide. J'y ai songé. Mais outre que Ronald n'avait aucune raison de se suicider, sa mère et moi n'avons trouvé aucune arme. De plus en plus curieux. Montons dans la chambre. Alors, si vous voulez me suivre... Nous gravissons 2 étages et nous entrons dans la chambre du drame. Le corps du jeune homme est là, gisant sur le tapis, la tête fracassée. Docteur Watson, croyez-vous possible d'extraire la balle ici même? Je vais essayer. Et pendant que j'explorais la plaie, Lestrade découvrit sur la table 2 billets de 10 livres, plus 17 livres et 10 chelins en pièces d'or et d'argent, disposés en petites piles, de valeurs différentes. Sur une feuille de papier étaient inscrits quelques chiffres avec en regard des noms de personnes. Quand il est mort, il était peut-être en train de chiffrer ses gains et ses pertes aux cartes. Il jouait beaucoup? Oui, mais jamais à des taux scandaleux. Il appartenait au cercle Baldwin et Cavendish. Il jouait prudemment et faisait parfois de belles moyennes. J'ai même assisté cet après-midi à une partie où, avec mon ami le colonel Moran, il a gagné 240 livres au duc de Connaught et à Lord Balmoral. 240 livres? C'est joli. Alors, docteur? Eh bien, messieurs, ce malheureux garçon a eu la tête fracassée par cette balle explosive. Regardez, c'est une balle à pointe tendre qui a dû provoquer une mort instantanée. Mais les domestiques n'ont entendu aucune détonation. C'est étrange. En supposant même que l'assassin est tiré du dehors, il y a une station de cab à 100 mètres d'ici. Les cochers ont dû entendre le coup de feu. Brown, courez jusque-là et revenez me dire ce qu'on vous a répondu. Bien, chef. Oui, je ne vois pas bien un assassin tirant du jardin avec un revolver et à une telle distance, provoquant une telle blessure. Non, je suis de votre avis, docteur. Mais en tout cas, le vol n'est pas le mobile du crime, puisque l'argent est resté sur la table. Une vengeance, peut-être. Lui connaissez-vous des ennemis? Aucun. Ronald avait un caractère extrêmement droit et tout le monde l'aimait. Lestrade interrogea la comtesse prostrée, puis les domestiques. Tous confirmèrent les déclarations de Sir Joan. La femme de chambre qui avait allumé le feu précisa que Ronald était rentré à 10 heures et qu'elle avait entendu la comtesse frapper à la porte de son fils à 11h20. Quant à l'arme du crime, elle demeura introuvable. Et Brown revint nous dire que les cochers n'avaient entendu aucune détonation. Maintenant, si vous le voulez bien, messieurs, nous allons descendre examiner la façade. Par ici. Des becs de gaz éclairaient parfaitement la rue et ils nous permirent d'examiner les lieux sans difficulté. Je constate que cet hôtel est séparé de la rue par un mur et une grille d'environ 1,50 m. Il était donc facile à n'importe qui de sauter dans le jardin. N'empêche que la fenêtre est inaccessible, regardez cette hauteur. Et il n'y a ni gouttière ni saillie pour faciliter l'escalade. Même un acrobate n'y réussirait pas. Voilà une affaire qui n'est pas facile. Je rentrais chez moi, aussi perplexe que l'inspecteur Lestrade, et toute la journée je réfléchis aux données du problème, cherchant à découvrir cette ligne de moindre résistance que Sherlock Holmes considérait toujours comme le point de départ d'une enquête. Mais malheureusement, je n'aboutis à rien. Les journaux ne tarissaient pas sur le mystère de Park Lane, qui n'en était pas éclairci pour autant. 2 jours plus tard, dans la soirée, après avoir visité mes malades, je regagnais mon domicile. Quand à quelques mètres de ma maison, je bousculais par mégarde un petit vieillard à barbe blanche. Oh, pardon, pardon. Vous ne pouvez pas faire attention. Oh, regardez, tous mes livres sont tombés dans le ruisseau. Oh, excusez-moi, monsieur. Attendez, attendez, je vais vous les ramasser. Les jeunes générations n'ont plus de respect pour les vieux. Regardez mes pauvres livres, ils sont trempés. Oh, vous m'envoyez navre et donnez, je vais les essuyer avec mon mouchoir. Avec votre mouchoir? Mais pourquoi pas avec votre chemise? Ah, laissez-moi ça et tâchez de faire attention une autre fois. Et le vieux s'en alla, le dos voûté, ses livres dégoulinant le long de sa redingote râpée. J'étais depuis 5 minutes dans mon cabinet de consultation quand la bonne m'annonça un visiteur. Et à ma grande surprise, elle introduisit le petit barbu dont je venais de faire tomber les livres dans le ruisseau. Tout à
je suis revenu sur mes pas. J'ai voulu vous rattraper, mais je ne marche plus assez vite. Je vous ai vu entrer dans cette maison et l'on m'a dit que vous étiez le docteur Watson. Oui, en effet. Vous désirez ? Je vous priais de m'excuser de ma brusquerie. Seriez-vous le docteur Watson qui a écrit les enquêtes de Sherlock Holmes ? Oui. Vous les avez lues ? Oui, quelques-unes, comme tout le monde. Seulement, moi, je n'y crois pas beaucoup à ce détective inventé de toutes pièces. Comment inventé de toutes pièces ? J'ai personnellement habité avec Sherlock Holmes pendant des années. Ah oui ? Mais pourquoi ne racontez-vous plus ces enquêtes ? Parce qu'hélas, monsieur, il est mort il y a 3 ans. Oh, par exemple. Vous l'aimiez bien ? C'était mon meilleur ami. Et j'avais une profonde admiration pour lui. Je ne me console pas de sa perte. Peut-être n'est-il pas mort ? Qu'est-ce que vous me racontez ? Avez-vous vu son cadavre ? Non. Tant que vous ne l'avez pas vu mort de vos propres yeux, tous les espoirs sont perdus. Allons, allons, allons. Cessons cette conversation, voulez-vous ? Elle est déplaisante. Et si je vous disais, moi, que Sherlock Holmes est encore en vie ? Qui êtes-vous pour affirmer une chose pareille ? Mais tout simplement Sherlock Holmes, mon bon Watson. Il arracha sa barbe et sa perruque, et je le retrouvai tel qu'il était 3 ans auparavant. Mon émotion fut telle que je m'évanouis. Quand je repris connaissance, mon col était déboutonné, j'avais sur les lèvres un goût de cognac, et je vis Sherlock Holmes penché au-dessus de moi, un flacon à la main. Mon pauvre Watson, je vous dois mille excuses, je ne vous croyais pas aussi sensible. Holmes, Holmes, c'est bien vous. Vous êtes vivant. Je n'ai aucune envie de mourir. Oh, je n'en crois pas mes yeux. Vous permettez que je vous pince le bras ? Allez-y. Oh, bah, vous me faites mal. Allons, tant mieux, vous n'êtes pas un pur esprit. Eh non, pas encore. Ah, que je suis heureux. Asseyez-vous, asseyez-vous et dites-moi comment vous êtes ici. Vous permettez que j'allume une cigarette ? Oh, mais oui, faites donc. Et que je m'étire un peu ? Ah, figurez-vous que ce n'est pas drôle pour un homme de ma taille de se raccourcir plusieurs heures de suite d'une trentaine de centimètres. Ah, vous êtes extraordinaire. Vous aviez l'air d'un tout petit vieillard. Un peu difforme, mais il faut ce qu'il faut. Mais allez-vous me dire enfin comment vous êtes sorti de ce gouffre ? Oh, sans aucune difficulté. Comment cela ? Parce que je n'y suis jamais tombé. Vous n'êtes pas tombé dans le précipice ? Non. Mais le billet que vous m'avez laissé sur un rocher sous votre étui à cigarette ? Il était parfaitement sincère. Quand le professeur Moriarty se trouva devant moi, je compris tout de suite qu'il était décidé à avoir ma peau. Il m'accorda fort courtoisement la permission de vous écrire quelques lignes. Puis, nous nous engageâmes dans le sentier. Il n'avait pas d'armes, mais arrivé au bord du précipice, il se jeta sur moi, et ses longs bras se nouèrent autour de mon corps. Il était d'une force prodigieuse. Son étreinte, pareille à un étau, me coupait la respiration. Et je vis le moment où il allait me précipiter dans le gouffre. Heureusement, comme vous le savez, j'ai longuement pratiqué la méthode japonaise qu'on appelle le haritsu. Je réussis à me dégager, il perdit l'équilibre, et battant l'air de ses bras sans pouvoir se raccrocher à rien, il alla s'écraser la tête 15 mètres plus bas sur un rocher. Le corps rebondit et disparut au fond de l'eau bouillonnante. Voilà. Je regrette seulement qu'il ne soit pas mort au bout d'une corde. Mais vous, Holmes, j'ai très bien vu sur le sol les empreintes de vos pas et celles de Moriarty. Elles se dirigeaient vers l'extrémité du sentier, mais je n'en ai vu aucune en sens inverse. Voici pourquoi. À l'instant même où le professeur eut disparu dans le gouffre, je me livrai à un raisonnement qui dura l'espace d'une seconde. En certaines circonstances, l'esprit est terriblement rapide. Je me dis ceci. Moriarty n'était pas le seul à jurer ma perte. Il avait des collaborateurs qui ne sont peut-être pas tous sous les verrous. Ils voudront le venger, ou tout au moins annihiler un homme d'autant plus dangereux pour eux qu'il a déjà vaincu leur chef. Il ne faut donc pas me faire d'illusions, ils mourront un jour ou l'autre. D'autre part, si tout le monde me croit mort, ces individus finiront par commettre une imprudence, et pour moi ce ne sera plus qu'un jeu de leur mettre la main au collet. Alors seulement, je réapparaîtrai à la face des vivants. Mais parfaitement raisonné. J'examinai la muraille rocheuse qui était derrière moi.
Elle était si haute et si lisse qu'il me parut impossible de l'escalader. Mais peu à peu, je découvris de petits creux et quelques saillies qui allaient peut-être me permettre de m'accrocher. Alors, risquant le tout pour le tout, j'entrepris l'ascension. Les chutes grondaient au-dessous de moi. Vous savez que je ne suis pas sujet au délire, mais je croyais entendre Moriarty m'appeler du fond du gouffre. La moindre faute pouvait m'être fatale. Plusieurs fois, quand j'arrachais des touffes d'herbe, ou quand mon pied dérapait entre les interstices humides du rocher, je sentais que j'allais tomber dans le vide. Mais je me raidissais, et je continuais à grimper. Finalement, j'arrivais à une sorte de plateforme couverte de mousse et je m'y allongeais, épuisé. C'est là que j'étais étendu, mon cher Watson, quand je vous ai vu arriver avec le gendarme pour enquêter de la manière la plus sympathique sur les circonstances de ma mort. Et dire qu'il vous suffisait de m'appeler. Vous allez voir que j'ai bien fait de m'abstenir. Peu de temps après votre départ, un gros rocher dévala à côté de moi et dégringola dans le gouffre. D'abord, je crus un hasard, mais levant le nez, j'aperçus une tête d'homme. Et un deuxième rocher vint frapper le rebord de la plateforme passant à 20 centimètres de mon crâne. Mais Moriarty n'était pas venu seul. Non, et le bandit s'efforçait de réussir ce que son chef avait manqué. Je ne perdis pas beaucoup de temps à réfléchir. Le visage sinistre apparut de nouveau, au-dessus de moi, et je compris qu'un autre rocher allait tomber. Alors, je décidai de redégringoler jusqu'au sentier, mais les difficultés étaient multipliées par 100. Je ne crois pas que je l'aurais fait de sang-froid. Une troisième pierre déboula en sifflant. J'attrapai sur ma droite la branche d'un arbrisseau qui poussait dans un creux de rocher. Je m'y suspendis. Tout mon corps balança dans le vide, se heurtant à la paroi dans un mouvement de balancier. Soudain, mon pied s'accrocha dans une excavation. Je fis un rétablissement et je parvins à me blottir tout entier dans ce creux. C'était une longue faille entre deux rocs, une sorte de tunnel, où j'essayais de me glisser. Quand je parvins à l'autre extrémité, la nuit était venue. J'avais les mains, les genoux et le visage en sang. Mais j'étais sauvé. Je foulais la terre de la montagne et j'étais au milieu des arbres. Je trouvai un chemin et d'une seule traite, j'abattis une dizaine de kilomètres. Bref, 8 jours après, j'étais à Florence, seul, avec la certitude que personne au monde ne savait ce que j'étais devenu. Mais vous auriez quand même pu m'écrire la vérité. Vous saviez pouvoir compter sur ma discrétion. Bien sûr, cher Watson, et à ce sujet, je vous demande 1000 pardons. Mais vous n'auriez certainement pas écrit un récit aussi convaincant de ma triste fin si vous n'aviez pas été vous-même persuadé que cette fin était véritable. Je vous reconnais bien là. Pour être franc, je n'ai eu qu'un seul confident, mon frère Mycroft, afin qu'il pût m'envoyer l'argent dont j'avais besoin. Le cours des événements à Londres n'avait guère répondu à mes espérances, le procès de la bande Moriarty laissant en liberté deux de ses membres, qui étaient mes ennemis les plus acharnés. Alors, j'ai voyagé. Où êtes-vous allé ? D'abord au Tibet. J'ai visité Lhasa, oui, et j'ai passé plusieurs jours en compagnie du Dalai Lama. Avez-vous entendu parler par la presse des explorations d'un Norvégien du nom de Sigursen ? Oui, bien sûr. Vous n'avez jamais pensé que vous receviez ainsi de mes nouvelles ? Sigursen, c'était vous ? Eh oui. J'ai ensuite traversé la Perse, visité la Mecque, discuté de choses fort intéressantes avec le calife de Khartoum, dont les propos ont été immédiatement communiqués au Foreign Office. Je suis retourné en France. Là, j'ai passé quelques mois à faire des recherches sur les dérivés du goudron de houille dans un laboratoire de Montpellier. Et voilà que sur ces entrefaites, j'apprends que de mes deux ennemis qui avaient juré ma perte, il n'en reste plus qu'un en liberté dans Londres. Et au même moment, je lis dans les journaux le mystérieux assassinat de Park Lane. Ce problème m'intéressant vivement, je rentre chez moi. Je déclenche chez notre logeuse Madame Hudson une violente crise de nerfs et je constate que mon frère a tout entretenu en parfait état. Je me déguise en vieux bibliophile pour aller rôder du côté de Park Lane, faire discrètement mon enquête, et c'est en rentrant que je vous ai rencontré. Tel fut, mes chers amis, le récit extraordinaire que j'écoutais en cette soirée d'avril. Je regardais avidement ce visage ardent aux lignes acérées et ce corps mince, interminable, que je n'aurais jamais espéré revoir. Et maintenant, cher Watson, un intéressant travail nous attend. Lequel ?
Nous allons rester ici à bavarder jusqu'à 9h30 et... Eh bien, vous allez dîner avec moi. Ma femme est chez une amie. Elles vont au théâtre. Volontiers. Et à 9h30, dis-je, en route pour la maison vide. La maison vide? Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Vous le verrez. Et ce fut tout à fait comme au bon vieux temps. À 9h30 très exactement, je me trouvais assis dans un cab à côté de Sherlock Holmes, un revolver dans ma poche et au cœur le petit frisson des grandes aventures. J'ignorais quelle bête féroce nous allions chasser dans la jungle du crime, mais étant donné l'attitude grave du chasseur, j'étais sûr que l'affaire était sérieuse. De temps à autre, un petit sourire sarcastique déformait les traits austères de mon ami. Mauvais présage pour le gibier. Cocher, arrêtez-nous à Cavendish Square. Ici, oui. Oh, oh. Tenez, voilà pour la course. Notre route fut assez singulière. Sherlock Holmes connaissait Londres comme sa poche. Il me conduisit dans un dédale de passages dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. Finalement, nous tournâmes dans une petite rue bordée de vieilles maisons lugubres qui aboutissaient à Manchester Street. Là, il regarda à droite, à gauche, pour voir si nous n'étions pas suivis. Il poussa une porte, franchit une cour déserte, ouvrit avec une clé la porte de service d'une maison et la referma derrière nous. Venez. Mais je n'y vois rien du tout. Donnez-moi la main. Cette maison est inhabitée. Ouais. Nous entrâmes enfin dans une grande pièce vide, dont les angles étaient plongés dans l'ombre et le milieu faiblement éclairé par les lumières de la rue. Il n'y avait pas de lampadaire à proximité et la poussière sur les vitres formait une couche si opaque que nous pouvions tout juste distinguer nos propres silhouettes. Savez-vous où nous sommes ? Dans Baker Street, sûrement. Oui, dans la maison Camden, qui est située juste en face de mon appartement, celui où vous avez habité si longtemps avec moi. Mais pourquoi sommes-nous ici? Parce que nous jouissons d'une vue excellente sur le dit appartement. Approchez-vous davantage de la fenêtre, en prenant bien garde de ne pas vous montrer. Et regardez. Je m'avançais. Et à travers la rue, mes yeux se posèrent sur la fenêtre du salon où j'avais passé tant d'années auprès de mon ami. Je poussai un cri de stupéfaction. Le store était baissé et éclairé par une grosse lampe allumée dans la pièce. Et l'ombre d'un homme, assis sur une chaise, se détachait avec une étonnante netteté sur l'écran lumineux de la fenêtre. Il n'y avait pas moyen d'hésiter. Le port de tête, la charpente des épaules... Le profil aigu que reproduisait cette ombre chinoise, c'était Sherlock Holmes lui-même. Alors, Watson, ça me ressemble ou non? Oh, j'aurais juré que c'était vous. Ce petit chef-d'œuvre est dû au talent d'un certain Oscar Meunier de Grenoble, qui a passé plusieurs jours à faire le moulage. C'est ce mannequin en cire que j'ai assis devant ma fenêtre et revêtu de ma robe de chambre. Oui, mais pourquoi? Pour faire croire à certaines personnes que j'étais là, pendant que je me trouve réellement ailleurs. Ah, oui, vous pensiez que l'appartement était surveillé? Il l'est. Par qui? Par mes vieux ennemis, Watson. Ceux dont le chef repose sous les chutes de Reichenbach. Rappelez-vous qu'ils savaient, et eux seuls le savaient, que j'étais encore vivant. Ils se disaient que tôt ou tard, j'en reviendrais chez moi. Aussi ont-ils monté une garde de tous les instants, et ce matin, ils m'ont vu arriver. Mais comment le savez-vous? Parce que j'ai reconnu une de leurs sentinelles quand j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre, un nommé Parker, étrangleur professionnel. Je ne me suis guère soucié de lui, mais bien davantage de son chef, l'ami de cœur de Moriarty, l'homme qui a essayé de m'écraser sous des rochers, le criminel le plus dangereux de Londres. Il s'attaque à moi ce soir, Watson, mais il ne sait pas que nous, nous allons nous attaquer à lui. Oh, Holmes, regardez, l'ombre a bougé. Évidemment. Comment évidemment? Vous ne pensez pas que ces messieurs se laisseraient leurrer par un mannequin immobile pendant des heures?
Avec le fabricant de Grenoble, nous avons mis au point un système d'horlogerie qui, environ toutes les 5 minutes, le change de position. Il y a 8 positions différentes. Ah, c'est un automate. Oui, mais ses mouvements sont si simples que vous, le premier, vous vous y êtes laissé prendre. Bravo! Nous demeurâmes debout, en silence, dans l'obscurité, surveillant les gens qui passaient et repassaient devant nous. Je remarquai en particulier 2 hommes qui semblaient se protéger du froid en se collant contre la porte d'une maison voisine. Je voulus les montrer à Sherlock Holmes, mais il eut un geste d'impatience et il continua à regarder dans la rue. À plusieurs reprises, il s'agita et tambourina sur le mur. Visiblement, il s'énervait. Les choses ne devaient pas tourner comme il l'avait espéré. Enfin, vers minuit, la rue se vida lentement. Soudain, il me saisit le poignet. Watson, écoutez. Quelqu'un monte. Oui. Cachons-nous dans ce placard. Vite. C'était un homme en habit. Dans l'ombre, je voyais son plastron blanc sous le pardessus déboutonné. Dans une main, il portait quelque chose qui ressemblait à une canne, mais quand il le posa à terre, l'objet rendit un son métallique. D'une poche de son manteau, il tira un instrument volumineux et il s'absorba dans une opération qui se termina sur un bruit sec, comme si un ressort ou un verrou s'était déclenché. Il se courba en avant et appuya de tout son poids sur un levier. Quand il se redressa, je vis qu'il tenait à la main une sorte de fusil avec une crosse bizarre. Il ouvrit la culasse, introduisit quelque chose à l'intérieur et la referma. Puis il souleva légèrement la fenêtre à guillotine et posa le bout du canon sur leur bord. Il s'agenouilla, se mit en position pour viser la silhouette de Sherlock Holmes qui venait de se redresser. Il s'immobilisa et son doigt pressa la détente. On les mains ! Qu'est-ce que... Un geste et je tire ! Ah, oh, ah, oh. Et voilà. Un coup de crosse de revolver sur le corps, il n'y a rien de tel. Merci, Watson, vous l'avez mis knock-out. Ah. Maintenant, il n'y a plus qu'à appeler la police. Non, non, ne vous inquiétez pas, ils sont là. Quoi ? Les 2 hommes en bas étaient des inspecteurs de Scotland Yard ? Oui, et vous connaissez l'un d'eux tout particulièrement. Qui ? Vous allez voir. Les voici. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Holmes. Ah, Lestrade. Et alors, vous n'êtes pas étonné de trouver monsieur Holmes ici ? Étonné ? Pourquoi ? Non, puisqu'il m'a fait l'honneur d'une visite cet après-midi à Scotland Yard. Ah, si je comprends bien, il n'y avait que moi qui n'étais pas au courant. Dites donc, monsieur Holmes, s'il est en mauvais état, votre assassin. Brown, passez-lui les menottes. Mais nous le guettions dans la rue. Comment se fait-il qu'il soit venu ici ? Je ne m'y attendais pas, je l'avoue. Il a eu l'idée de venir au même endroit que moi. Qu'est-ce que c'est que ce fusil ? Un fusil à vent. Une arme admirable, unique en son genre. Elle ne fait pas de bruit et sa puissance de feu est terrible. J'ai connu Von Herder, l'ingénieur aveugle qui l'a conçu sur la demande de Moriarty. Depuis des années... Je savais son existence, mais je n'avais jamais eu l'occasion de la manier. Je la recommande à votre attention, Lestrade, ainsi que les balles qui s'y adaptent. Faites-moi confiance, monsieur Holmes. Il faudrait peut-être emmener cet homme-là et essayer de le remettre en état. Dites donc, docteur, pour un médecin, vous arrangez bien les gars. Au fait, qui est-ce ? Monsieur Holmes, vous le connaissez ? Je vous présente le colonel Sebastian Moran, ancien officier de l'armée des Indes et le meilleur tireur de notre empire d'Orient. Colonel Moran. Ça me dit quelque chose. Mon cher Lestrade, je vous propose d'emmener ce respectable officier à l'infirmerie du dépôt et de nous retrouver tous à son chevet demain à midi. Je vous apporterai des précisions à son sujet et je pense qu'il sera en état de parler. Entendu, monsieur Holmes. Ils emportèrent le colonel qui était toujours sans connaissance et je montai avec Sherlock Holmes à l'appartement de Baker Street. Rien n'avait changé, mais... Tout était en ordre, ce qui me désorienta un peu. Heureusement que les vieux points de repère étaient encore à leur place. Le coin pour la chimie, la table en bois blanc avec ses taches d'acide,
les registres et les carnets que tant de canailles appartenant à tous les mondes auraient brûlés avec joie. Les graphiques, l'étui du violon, leur atelier à pipe et même la babouche au fond de laquelle il y avait encore du tabac. Et je vis l'étrange mannequin. Regardez, Watson. La balle a traversé la tête de Cyr. La nuque était visée pour atteindre le cerveau en plein. Décidément, le colonel Moron est un fin tireur. Il fut le meilleur des Indes, paraît-il, et je le crois volontiers. Le lendemain, Sherlock Holmes m'emmena à midi à l'infirmerie du dépôt. Le coup de crosse que j'avais asséné sur la tête du colonel Moran n'y paraissait plus, mais il était maintenant enfermé dans une cellule. Lestrade nous y attendait. Alors, colonel, les voyages finissent toujours par réunir les amoureux, comme on dit. Je n'ai pas eu le plaisir de vous revoir depuis que vous me jetiez des rochers sur la tête aux chutes de Reichenbach. Inspecteur, il n'y a aucune raison pour me soumettre aux railleries de ce personnage. Chute de Reichenbach, je ne connais pas. Admettons. En tout cas, vous ne pouvez pas nier avoir voulu tuer M. Sherlock Holmes. Simple question, Lestrade. Quelle accusation avez-vous l'intention de produire ? Je l'accuse d'avoir voulu vous assassiner. Non, je ne tiens pas à paraître dans cette histoire. Il y a tellement plus grave. Plus grave ? Oui. J'accuse, moi, cet homme d'avoir tué Ronald, fils du comte de Maynooth, dans son hôtel de Park Lane. Lui ? Vous êtes sûr ? C'est faux ! Ne vous agitez pas, colonel Moran. Sur vous, je sais tout. Vous avez commencé par être un brillant officier de Sa Majesté, mais vous êtes hélas comme ces arbres qui poussent jusqu'à une certaine hauteur et qui tout à coup se déforment. Vous avez mal tourné, colonel, et personne ne s'en est douté. Vous êtes revenu des Indes, vous avez continué à fréquenter la gentry, mais en réalité, vous êtes devenu le chef d'état-major du professeur Moriarty. Il vous payait largement et il ne se servait de vous que pour les affaires de grande classe. Entre autres, vous rappelez-vous l'estrade de la mort de Lady Chatham en 1887 ? Oui, nous avons assez cherché. Eh bien, l'assassin, le voici. Je n'ai pas pu le faire arrêter à l'époque parce qu'il n'y avait pas de preuves. Pourquoi êtes-vous revenu ? Parce que ces jours-ci, j'ai lu dans les journaux français que quelques heures avant sa mort, ce pauvre Ronald avait fait une partie de cartes avec vous. J'ai flairé quelque chose et je suis revenu pour étudier l'affaire, dans l'espoir de vous mettre la main dessus. Nous comparerons la balle trouvée dans la tête de ce pauvre garçon avec celle qui a traversé hier soir ma tête de cire. Cela suffira amplement à vous faire passer la corde au cou. Quand vous avez su que j'étais rentré à Londres, vous avez craint pour vous, n'est-ce pas ? Oui. Et vous avez décidé de m'abattre. Malheureusement, colonel, vous avez perdu. Mais pourquoi a-t-il assassiné Ronald ? Tous les éléments que j'ai pu recueillir m'amènent à la conclusion suivante. Ronald a découvert que le colonel trichait au jeu. Ils avaient gagné ensemble sur d'autres partenaires des sommes importantes. Alors, il a voulu obliger le colonel à démissionner de son plein gré et à s'engager sur l'honneur à ne plus toucher une carte de sa vie. Sinon, il dévoilerait publiquement sa conduite et ce serait le scandale. Ce doit être ça la vérité, n'est-ce pas, colonel ? Oui. Seulement, votre exclusion des cercles de jeu allait vous priver d'une distraction qui était pour vous une véritable passion et, en même temps, de gains illicites qui vous aidaient à vivre somptueusement. Alors, au moment où Ronald était dans sa chambre en train de faire le compte de l'argent qu'il voulait restituer, du dehors, vous avez tiré sur lui par la fenêtre entrouverte. Nous sommes d'accord. Oui. Mais la porte fermée à clé. Ronald s'était enfermé de peur que sa mère ne le surprenne et veuille savoir ce qu'il était en train de faire avec la liste des noms et tout cet argent. Allons, à bientôt Lestrade. Soyez heureux, le fusil à vent de Von Herder va embellir le musée de Scotland Yard et votre nom sera mentionné sur la vitrine. Quant à vous, Watson, venez, puisque voilà Sherlock Holmes ressuscité. Vous le voyez prêt à vouer son existence comme par le passé aux petits problèmes dont fourmille si agréablement la vie londonienne. Dans la série « Les enquêtes de Sherlock Holmes », vous venez d'entendre « La maison vide », d'après la nouvelle de Sir Arthur Conan Doyle. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son Jean Pantaloni, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abderisker. Avec Maurice Tenac, Sherlock Holmes, Pierre Détaille, Dr. Watson, et Yves Furet dans le rôle de l'inspecteur Lestrade. Thank you.